Je suis ravi de vous présenter aujourd'hui notre nouveau projet académique 2024-2028, qui s'inscrit dans la continuité du précédent projet, et projet académique qui a été co-construit avec l'ensemble de la communauté éducative, nos personnels d'encadrement qui évidemment y ont fortement contribué, et puis nos partenaires, les représentants des personnels, les collectivités territoriales et bien évidemment les fédérations de parents d'élèves. Ce projet académique, il s'inscrit autour d'un axe fort, le collectif, à travers un mot d'ordre, ensemble, donnant de l'ambition. Évidemment, cette ambition, nous la voulons pour nos élèves, nous la voulons évidemment pour l'ensemble de nos personnels et puis nous la voulons pour l'ensemble de notre territoire. Cette ambition, ce projet, il va se décliner autour de quatre axes. Et pour le premier, quoi de mieux que cette école, cette classe de CP pour mettre en avant l'importance des savoirs fondamentaux à travers une priorité, progresser. Progresser, faire progresser tous les élèves, quelle que soit leur origine, quel que soit leur niveau, quelle que soit leur différence, c'est apporter à chaque élève une attention particulière, c'est évidemment faire vivre l'hétérogénéité et c'est aussi donner à plus à ceux qui ont le plus besoin. Le deuxième axe pour nous, c'est faire société. Faire société, c'est travailler sur le bien-être de nos élèves, travailler évidemment dans nos classes, à améliorer le climat scolaire, travailler sur les valeurs de la République, sur la laïcité, travailler aussi évidemment sur le vivre ensemble. Mais pour faire société et pour améliorer le bien-être de nos élèves, il faut des personnels eux aussi mieux entourés, des personnels mieux accompagnés. Et pour le bien-être de nos élèves, il faut aussi que nous améliorons le bien-être de nos personnels. Pour notre troisième axe, nous devons amener les élèves, tous les élèves, à construire leur avenir. Alors ça passe évidemment par la découverte des métiers en cinquième, ça passe aussi par un travail sur les représentations sociales, les représentations de genre, sur lesquelles nous devons nous mobiliser pour que chaque élève puisse choisir les métiers qui correspondent à ses appétences, qui correspondent à ses désirs. C'est le conduire à travers un parcours de découverte, un parcours d'avenir vers des formations et notamment les formations professionnelles ou les formations technologiques qui sont déployées dans nos établissements. Enfin, notre quatrième axe, que nous avons nommé « se caractériser », il doit conduire chacune et chacun à construire sa voie, construire son chemin en fonction de ses goûts, en fonction de ses motivations. Il doit aussi permettre de valoriser les initiatives pédagogiques qui sont menées à l'intérieur de chaque établissement dans le cadre du CNR ou à travers d'autres projets et amener nos établissements à se caractériser, à trouver leur signature à travers notamment des projets culturels, artistiques, sur le sport, sur l'engagement, des projets scientifiques qui vont permettre cette coloration et évidemment accompagner chaque élève dans une dynamique positive. Vous le voyez, ce projet académique, il s'offre à vous, il s'ouvre à vous et j'aurai l'occasion de venir valoriser chacune de vos actions dans vos établissements. Emparez-vous de ce projet est maintenant le vôtre.